Debout, depuis au moins 4 heures devant ce gymnase, ces personnes sans hébergement dormiront enfin au chaud. Une solution provisoire qui arrive trop tard. Ça fait un mois et demi que je suis à la rue, 4 jours que je dors dehors. Et j'en ai marre. J'en ai marre parce que le plan vigilance grand froid a été déplacé dès aujourd'hui. Alors que ça ferait depuis au moins un mois qu'il aurait dû être mis en place. J'ai dû appeler 22 fois pour avoir une place, au moins pour ce soir. Et c'est comme ça tous les jours. Le SAMU social reçoit environ 200 appels par jour, mais là, seuls 37 lits sont disponibles. Vous dire qu'on arrive à répondre à toutes les demandes, ce ne serait pas forcément dire la vérité, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas venir. On sait très bien qu'il y a des personnes qui ne veulent pas venir dans ces accueils du jour. Mais on accueille une grande partie des besoins. Les règles sont strictes. Le gymnase ouvre ses portes de 19h à 9h du matin. Soir. Les bénévoles de la Croix-Rouge assurent l'accueil et la prise en charge de ces personnes sans abri. Pas de violence, pas de bagarre. Et vous êtes demandé de quitter le lieu à partir de 8h30 demain. Voilà. Les personnes arrivent, on vérifie qu'elles aient bien appelé le 115, qu'elles aient une place. On dispatche les gens sur les différents lits. Voilà, on donne le kit d'arrivée, donc avec kit hygiène, le duvet, etc. Et puis, on essaye aussi de savoir un petit peu plus sur la situation de la personne, si c'est des personnes qui ne sont pas connues déjà de nos services. Météo France prévoit des températures négatives ce week-end. Pour l'instant, ce centre d'urgence est ouvert chaque soir jusqu'à lundi. After.